Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai
9 ans, je suis en CM2 à l'école Freinet. Je présente ce livre parce que je trouve que c'est très bien adapté aux enfants pour leur expliquer ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai compris que c'était très dur pendant ce temps-là et qu'il fallait toujours faire des efforts. Des questions ? Est-ce que vous avez des questions sur le comité, effectivement ? Avec le fond, tu dois être dans l'école dans laquelle il y a carrément le créateur du bout d'un autre. Et en gros, quand tu mets ton nom de ta classe, alors, donc là, tu peux, si déjà tu l'as déjà lu, tu vas pouvoir récupérer cette partie-là de ton bout d'un autre, et après tu entoures. Donc on va dire que tu as trouvé génial, tu vois, hop, entoure les 5 citrouilles. D'accord ? Et après, moi, je vais les récupérer, c'est moi qui vais rentrer ça, au moins qu'on refile un petit commun. J'en suis super bien qu'il y ait ici. Alors, tu me mets la photo s'il te plaît. Hop, donc, après l'école, à 4h30, vous pouvez revenir et non seulement vous pourrez vous acheter le livre du concours qui est là en haut à gauche, mais en plus, donc, on a récupéré une partie de la librairie de l'escalier à Melun. Et donc, en fait, on a tous ces livres-là. Donc, vous, si vous voulez faire une petite course de Noël, vous pourrez. Et donc, vous avez l'auteur sous la main. Donc, Michel Lédier vient vers nous, s'il te plaît. Donc, Michel est là. Bravo, bravo. Hop. Et donc, il est l'auteur de, entre autres, tous ces livres-là. Et donc, j'avais fait mettre un... pour les grands, parce que quand même, que vos parents ne soient pas privés de lecture, quand même. Donc, je vais faire ajouter la bibliographie de Dutroux. Voilà. Hop, à toi le micro. Sacha, tu te rends pas mal, vos parents, vous te rends pas. Assieds-toi. Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir à Cesson, que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je viens à Cesson. Et voilà, je vais retirer. Donc, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis ravi d'être sélectionné pour ce prix et je suis à votre disposition pour un petit moment pour répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser sur ce livre Les grandes, grandes vacances. D'ailleurs, est-ce que tout le monde l'a lu ou... Ouais, c'est pas beaucoup. Bien, alors par qui on commence ? Tu as quelque chose à nous ? Jeune homme ? Attends, micro arrête. Pourquoi écrire ce livre ? Pourquoi écrire ce livre ? Ça, c'est difficile. En réponse à ta question, mais peut-être en réponse à d'autres, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé autour de ce livre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un film, plutôt un dessin animé. Peut-être que certains d'entre vous ont vu des épisodes. Il y a des noms. Enfin, je pense que c'est une série de 12 épisodes, si ma mémoire est bonne, qui est régulièrement rediffusée sur les chaînes assez classiques. Aujourd'hui. Et donc, moi je n'ai pas participé au dessin animé. On m'a demandé, avant qu'il soit terminé, je parle du dessin animé, de la conception du dessin animé, avant que le dessin animé soit disponible sur les écrans, on m'a demandé si je voulais bien faire.
faire une adaptation. Souvent, quand on parle d'adaptation, on parle d'un livre, on en fait un film. Là, on parle d'un film ou d'un dessin animé et on en fait un livre. C'est la démarche inverse. Et donc, on m'a proposé ce projet. J'ai dû prendre une décision. Alors que le dessin animé n'était pas terminé, mais disons, j'avais une base, un aperçu assez précis de ce que ce serait. Et j'ai trouvé ça intéressant de parler aux enfants de votre âge d'une chose terrible et dramatique qui s'est produite il n'y a pas si longtemps, on n'a pas connu, mais même le XXe siècle. Et ça, le principe d'aborder la Seconde Guerre mondiale, c'est vu par des enfants, raconté par des enfants. Et je connais des adultes qui prennent du plaisir à lire ou à regarder ce dessin animé. Après, moi, je ne peux pas parler de la qualité ou pas de mon travail, je peux parler de l'intérêt du sujet et la manière dont c'est traité. Donc, voilà. Pour répondre à cette question, pourquoi j'ai écrit ce livre, j'ai écrit parce que le projet me plaisait et que les... Là, on parle de scénariste. Alors, scénariste, c'est ceux qui écrivent l'histoire d'un film ou d'un dessin animé. Donc, les scénaristes qui ont travaillé sur ce projet ont fait pour moi un très bon travail. Et donc, je l'ai prolongé en écrivant le roman de la correspondance. Donc, c'est un qui est présenté là, c'est un tome sur quatre. La guerre a duré de 1939 à 1945. Il y a quatre volumes qui racontent comme ça, qui balayent toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça vous a pris du temps d'écrire ce livre ? Ça prend toujours du temps d'écrire un livre, de toute façon. Si on aime son travail et qu'on veut bien le faire, ça prend encore un peu plus de temps. Donc, j'aurais du mal à te répondre précisément, parce que ça fait quand même quelques années, on va dire... Pour l'ensemble des quatre tomes, j'ai dû mettre 3-4 mois. 3-4 mois, à plein temps, hein, pas toujours du matin au soir. Donc, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça vous appréciez. Pourquoi vous avez voulu faire la guerre dans le livre ? Non, moi j'ai jamais voulu faire la guerre.
manga. Avec un grand H de la guerre mondiale, oui, ça s'est déroulé comme ça. Oui, il y a eu des bombardements à Dieppe, etc., comme c'est raconté dans le livre. Mais l'histoire des héros du livre, c'est-à-dire les deux enfants, leurs parents et les grands-parents, ça c'est inventé. Mais ça aurait pu se produire. L'arrivée à Grand-Joli,
Ernest avait 10 ans. Il vivait à Paris avec sa petite sœur, Colette, 6 ans, et leurs parents, Lucie et Robert. Un matin de l'été 1939, tous les quatre prirent place à bord de la traction avant familiale pour aller chez les parents de Lucie en Normandie. Un voyage qu'ils faisaient chaque année. Mais les deux enfants n'imaginaient pas que cette fois, ils allaient y passer les plus grandes vacances de leur vie. Des vacances qui resteraient à jamais gravées dans leur mémoire. Ah, ça s'embêtant quand on n'est pas avec une seule, La voiture traversa Paris, puis ses faubourgs, avant de s'enfoncer dans la campagne verdoyante. Les deux enfants assis sur la banquette arrière étaient très excités par ce voyage. Durant tout le trajet, ils dévorèrent des yeux les paysages qui défilaient. Au bout de plusieurs longues heures de route, au détour d'une colline, le décor changea. La mer, au loin, apparaissait enfin. « Regarde !» s'exclama Ernest. « On ira ramasser les coquillages ?» demanda Colette. Ce n'était pas la première fois qu'il la voyait, bien sûr. Mais ce moment où il retrouvait la mer était toujours un émerveillement. Bientôt, la voiture traversa le village de Grangeville, puis s'engagea sur une piste caillouteuse. Deux garçons qui portaient des bidons de lait sur le côté regardèrent passer les Parisiens avec un air mauvais. Colette les reconnut et leur tira la langue. Le plus âgé des frères Morteau répondit en crachant par terre. Leur venue ne faisait visiblement pas plaisir à tout le monde. Et la suite, à vous. Je vous rends l'auteur. Il ne se passe pas que des choses, non, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau.
Un roman noir, c'est un roman un peu dur, quoi, où il y a des choses pas très jolies, pas très fortes qui se passent. Quoi. Mais bon. Pourquoi t'avais envie d'être écrivain? Écrivain, vous levez la main, je peux la voir. Pourquoi j'ai eu envie d'être écrivain? Franchement, je n'ai pas de réponse à cette question, si ce n'est que j'aurais aimé être musicien. Je peux me dire que ça n'a rien à voir, mais en fait, si. C'est juste. Ce sont deux métiers de création, du fait que tu crées des choses, comme un sculpteur ou un photographe, etc. Et c'est simplement l'instrument qui diffère d'une discipline à l'autre. Donc, je n'étais pas assez bon musicien pour être musicien professionnel. Et par hasard, je me suis mis à écrire des petites choses. Et puis, bon, voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Et puis voilà, ça a plu à d'autres personnes. Donc, mon parent, c'est une question. Mon parent, une question. Depuis combien de temps vous faites ça? Mon premier livre est sorti en 1997. Donc, attendez, c'est pas si vieux que ça. Pour moi, c'était hier. Hein. Donc, ça fait 21, 24. Oui, alors, où est le micro? Enfin, où sont les micros? Là, pardon. Avec un ordinateur, un clavier, tout simplement. Prendre des petites notes, si je suis dans le train, par exemple, je peux prendre des notes sur un bloc, mais je retranscris tout de suite après sur l'ordinateur. Plus pratique à gérer, à placer, à retrouver, voilà. Où est le micro? Oui, vas-y. C'était il y a combien de temps, votre dernier livre? Non, je peux répéter. C'était il y a combien de temps, votre dernier livre? Le dernier livre, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, l'adaptation du Tour du Monde en 80 jours, qui est sorti cette année. Non, j'ai fait depuis autre chose, j'ai fait... Alors pour ceux qui connaissent une série de foot à la télé, qui s'appelle Captain Tsubasa, j'ai fait quoi? Depuis 1994.
français jusqu'à aujourd'hui. Les uns derrière les autres. C'est qui vous a donné l'idée de faire ce livre ? Alors ça, j'ai déjà un petit peu répondu. Hein. C'est un dessin animé que j'ai adapté pour les éditions Fayard. Assis tout le monde. T'es obligé d'écrire des livres ? Est-ce que je suis obligé ? Oui. Non. Non. Faut rien faire quand on est tout seul. On n'est pas obligé. Peur de quoi ? De la réaction des gens ou... Par exemple, quand tu es chanteur, tu es devant tout le monde, des fois, tu as un petit peu de crainte. Je comprends la question. Comment répondre à ça ? Non, je ne crois pas, non. Non, en fait, j'accepte facilement la critique. Donc, on peut me dire ton livre est nul. Si on a quelques arguments, j'accepte. Ça vous a pris combien de temps de faire toutes les couvertures des livres ? Ah, je ne fais pas les couvertures, moi. C'est un illustrateur qui fait les couvertures. Moi, j'écris ce qu'il y a à l'intérieur. Je mets que des lettres les unes derrière les autres. Vous avez quelle impression quand vous faites des livres ? Ah, ça c'est mieux. J'ai 4 heures pour répondre. Il y a plusieurs phases, je ne sais pas comment dire. Quand tu te fixes des objectifs dans la vie, le fait de les atteindre, c'est déjà une satisfaction. Quand tu mets le point final à un livre, c'est comme quand tu mets le point final à une rédaction quand on te demande de t'écrire en classe. T'as de la satisfaction d'avoir fait le travail. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, t'as de la satisfaction, parfois oui, parfois non, du retour que te font les professionnels, les éditeurs et les lecteurs. Donc ça, c'est une autre source de plaisir ou de malheur, d'ailleurs. Mais ça, on ne peut pas répondre d'une manière très simple à la question. L'arrêt des développements importants. Dans tout ce que vous avez créé, c'est lequel qui est le plus connu ? Alors là, je ne sais pas. Oui, alors ça se prend pas mal. Ça. Grandes vacances, sinon j'ai fait des livres sur le Cluedo, le jeu, je ne sais pas si on les a vus tout à l'heure en couverture. Ça, c'est sorti il y a une dizaine d'années, ça continue à se vendre régulièrement. Et sinon, si ce que j'ai fait qui s'est le plus vendu, c'est une série, c'est le projet, ça s'appelait Foot de rue, dans les années. Avez-vous voulu faire un livre sur la guerre ? J'ai un peu répondu à ça. C'est pas que j'ai eu. Je
me suis pas dit un jour je vais faire un livre sur la guerre. On m'a proposé ce travail que je l'ai décrit tout à l'heure d'adaptation d'un dessin animé, enfin d'une série de dessins animés. Des univers assez sombres comme la guerre ou un peu plus joyeux avec
des univers de des choses qui vous tiennent à cœur avec un livre. Est-ce que c'est des choix devant des événements de votre vie où vous aviez besoin de vous retrouver dans ces choses-là? Ou après, bon, il y a toujours aussi le contraste qui est derrière, j'imagine, mais est-ce que c'est un rapport avec votre vie, le fait, peut-être les enfants à un moment donné, ou leur votre mère? Alors, je ne sais pas si vous avez tous entendu la question, mais il y a pas mal de facteurs en fait qui entrent en ligne de compte. Ça peut être des choses, comme vous l'avez dit, quand on a des enfants, peut-être des tournées, on a peut-être de la littérature. Et plus, je dirais, plus généralement, c'est des opportunités, on va dire, des rencontres avec certains éditeurs qui. D'un coup, tiens, j'avais tel projet, peut-être ça pourrait me plaire, en cas, souvent c'était comme ça. Bon, la musique, du coup, voilà, si je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai eu envie de le faire. C'est pas du tout un travail de commande qu'on m'a demandé de faire, c'est spontanément, je voulais le faire, je suis allé jusqu'au bout de la démarche. Après, il y a des considérations financières aussi, parce que les auteurs, c'est un peu le cas par eux. Donc, quand parfois on a des propositions qui sont alléchantes au point de vue matériel, on peut être tenté, et c'est le cas pour certaines séries, hein, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas d'affinité particulière avec le football, même si j'aime, tout le monde, j'aime bien regarder un bon match de temps en temps. Mais de là à écrire, je ne sais pas combien j'ai dit 40 de théorie. Non, mais ça m'a permis d'emmener mes enfants en vacances. Il est là. Alors, pardon, on reviendra. Oui. Ça fait combien de temps pour écrire une page entière? Une page entière? Il y a des pages qui sont plus difficiles à écrire que d'autres. Mais, je ne sais pas, je vais dire une moyenne, si je fais une journée de travail complète, si j'ai écrit 10 pages à la fin de la journée, je suis content. C'est un bon moment. Pas particulièrement vite, hein, donc je sais pas. Oui. Bon. Est-ce que c'était ton temps quand tu as fait le livre? Vas-y. Est-ce que tu étais content quand tu as fait le livre? Oui. Sinon, je pense que depuis le temps, j'aurais fait autre chose. Ça, j'ai bien compris la question. J'ai bien compris, tu me demandes si je suis en train d'écrire quelque chose. Oui, alors qu'est-ce que je fais en ce moment? Je traduis, je fais aussi de la traduction. Donc c'est pas l'écriture, c'est la traduction. Et je traduis une série de petits livres de votre âge, à peu près, pour votre âge, américain, puis ça parle de fantômes, c'est un truc un peu fantastique, je sais pas. Pour des petits fantômes, je trouve ça rigolo. Pourquoi ça va?
Pourquoi pas. J'ai un peu répondu, on va pas fatiguer les oreilles de ceux qui écoutent. Comment vous avez fait pour connaître tout ça sur la guerre mondiale? Alors j'ai été à l'école, comme toi, donc j'ai appris beaucoup de choses sur la guerre mondiale. Mais comme je suis beaucoup plus vieux que vous, j'ai oublié pas mal de choses, donc je me suis beaucoup redocumenté pour être le plus précis possible, quoi, de ne pas raconter de salade. Parce que là, on parle d'une histoire importante de la France, donc il ne fallait pas dire n'importe quoi. Donc voilà, je me suis beaucoup documenté pour que chaque petit détail soit respecté. Comment on devient écrivain? Comment écrivain? Vous n'avez pas dit que on devient forgeron? Ben voilà, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Il y a, paraît-il, des écoles aujourd'hui, que je demande à voir, je ne sais pas. Je pense que la première bonne solution, c'est d'écrire, jeter, recommencer. Par exemple, il n'y a pas trop d'exemples là.
des livres où les héros sont tellement éloignés de ce que je peux être que je ne peux pas m'identifier comme. Mais ça arrive. À quel âge j'ai lu mon premier livre? Ah, là, il y a des. Il y a des gens à 17. 97. L'âge que j'ai à 97, vous allez en déduire l'âge que j'ai aujourd'hui. J'avais 7 ans. Est-ce que c'est au cours de mathématiques de cette année? La soustraction ou l'addition? Oui? Je ne sais pas. Alors, écoute, je vais te répondre franchement quand même. C'est facile de m'en souvenir parce que j'ai dû commencer à écrire quand j'avais une trentaine d'années. De plus, enfin, au début en dilettante et puis de plus en plus sérieusement. Et je m'étais toujours dit, si à 40 ans, tu n'as pas un livre publié, bah, fais autre chose parce que ce n'était pas pour toi. Et donc, mon premier livre a été publié à 2 mois avant mes 40 ans. Vous faire le calcul. Vous avez eu quelle sensation quand vous avez écrit votre premier livre? C'était une. Je vais me préciser. Écrire un livre, c'est une chose. Le voir dans une librairie, publié par un éditeur, c'est la satisfaction la plus importante. Quoi. Donc oui, mon premier livre, quand il a été imprimé, etc., j'ai pas crié, youpi, ça y est, mais c'était quand même une énorme satisfaction. Hein. Qu'on veut renouveler après, c'est comme, c'est addictif, quoi. Est-ce que vous voulez lire les livres? Tu peux répéter? Est-ce que vous voulez lire les livres? Je les lis tellement avant qu'ils soient publiés qu'une fois qu'ils sont. Il y a le feu vert, ok, on a pris une boum, je ne les relis plus, sauf quand il y a très longtemps que je les ai écrits, ce qui est le cas là, je fais un aveu, j'ai relu les grandes vacances dans le RER. Parce que s'il y a des questions précises sur ce qui se passe en bouquin, je ne veux pas parler à Guillaume. Donc je l'ai relu à cette occasion, donc merci. Voilà. Est-ce que ça doit dater de, je sais pas, de... Est-ce que vous avez lu tous les livres que vous avez faits, vous les aimez bien? Écoute, globalement, oui. Je peux pas. Non, je ne cracherai ni dans la soupe, ni je n'encenserai mes livres. Voilà. J'essaie de rester modeste, je laisse les gens juger. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, à partir du moment où je dis, j'arrive au bout de ce que je peux faire pour ce bouquin à l'éditeur, donc je vais l'imprimer, bah, j'assume. J'en ai pas. Est-ce que vous écrivez encore des livres? Oui, 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 oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand t'as fait ton premier livre? En 1997. Vas-y. Quand vous avez commencé à écrire votre livre, est-ce que vous avez eu des questions, des frissons? Son esprit, des frissons, mon...
trouvé dans ce livre particulièrement des passages assez émouvants entre le frère et la sœur, avec les grands-parents, comment il y a des... Voilà. C'est pas des frissons, mais c'est des émotions. Quel rare livre vous avez écrit ? Quel livre rare ? Je ne peux pas répondre à cette question. Il n'est pas rare, il a bien. De ce côté-là, baisse la main. Lui, il est rare. Parce que c'est une jeune demoiselle qui veut jouer au foot. Les garçons n'allaient pas jouer au foot.